Mesdames et messieurs, chers moldus, bienvenue dans ce nouveau let's play dans le monde magique et fantastique d'Harry Potter. Mais bien que vous soyez des moldus, sachez que peut-être que certains d'entre vous possédiez des pouvoirs qui vous élèveraient peut-être au rang de sorcier. Vous recevrez alors une lettre qui vous conviera à la prestigieuse institution de Poudlard pour étudier la magie pendant 7 bonnes années. Serez-vous alors Serpentard, Gryffondor, Serdaigle ou bien encore Poufsouffle ? Découvrez-le dès maintenant dans cette formidable aventure qui est Hogwarts Legacy. Bon, alors écoutez, on va essayer de se créer un personnage. Oh, mais attends, mais lui, il me ressemble déjà un petit peu, en vrai. Mais attends, mais c'est quasiment ma coupe. C'est déjà pas mal. Est-ce que je me fais une cicatrice? Oh, ah là, je suis stylé quand même, non? Ça, c'est lorsque Voldemort, il a essayé de me tuer, moi aussi. Nommez votre personnage. Alors là, c'est crucial. Harry Potter. Allez, Harry Potter, c'est bon. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Eleazar, George. Je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Ok. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Alors, où sont les chevaux? Déjà, ça commence. Ils sont où, les chevaux? Pardon, c'est vrai que ça n'existe pas dans Harry Potter. Et c'est qui, lui? Il y a un article de journal à propos de Ranrock. C'est qui Ranrock? Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée. Une baguette, Eleazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. Attends, mais sa femme s'est fait buter? On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Je suis spécial. À moi de jouer. Oh, comment avez-vous... Attendez. Oh, donnez-vous. Oh merde. Oh mais là, le ministre est mort. Oh là. Non 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 mais... Ah, y'a pas un sortilège pour invoquer de l'âne dans Shrek histoire qu'il baise le dragon? Non mais on sait jamais hein. Eh ben ça commence bien. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas ouf. Non, pas vraiment. Prenez ça. Très bien, buvons. Oh, plutôt cheaté. Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Explorons les alentours. Très bien. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, c'est ruine. Vous pensez que le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. J'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Ok. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Oh, sympa, je peux casser des pots. Oh. Mais attends, mais c'est un zinzin, c'est trop bien ce sort. Explorer les ruines. C'est quoi ça? Je rentre dedans. Attends, c'est quoi ce truc qui me fonce dessus là? Oh non, c'est un miroir. Pff. Comme c'est étrange. Pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? J'examine, très bien. Ça alors, par Merlin. L'enchanteur. Oh, c'est quoi ce bruit? Y a un bruit de monstre là. C'est quoi ce bruit? Ah non, c'est juste un vieux qui ronfle. Le vioc. C'est impossible. Comment ça? Un petit instant. Pourquoi c'est impossible? Quoi, il prévoyait qu'on soit mort? C'est toi qui as envoyé les dragons, c'est ça? Numéro du coffre. 69. Coffre 12. Bon, allez-y. Ok. Dites-moi, est-ce que vous les pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Ah, d'accord. Bon, bah dégagez, monsieur Fig.
Il doit bien y avoir une issue quelque part. Alors stabilisez votre baguette avec L et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Nope. Nope. Quoi ? Attends, c'est pas assez rapide ? Ah d'accord, c'est juste ça, d'accord, ok, j'avais pas capté. Ok, donc là je vais apprendre Revelio. Et ça fait quoi Revelio ? J'ai vu quelque chose. Ah, ça me permet de révéler un truc. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Une lueur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte au loin. Toujours cette lueur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, ouais, c'est qui ça ? Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Revelio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. C'est ça. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Ok, il faut que j'apprenne Lumos du coup. Ok, alors comment je fais pour lancer Lumos ? Lumos, bravo ! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Ok, donc en fait, j'ai juste à faire ça. Lumière. Ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh non, non, non. Oh là là. Combat ? Attention. Protégo. Action. Oh, il est fort le petit vieux. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ok. Oh, j'espère que j'aurai des meilleurs sorts quand même ou dans. Professeur. Ok. Bon bah on va suivre les traces de magie. C'est quand même pas fait kidnapper le vieux là. Oh non, encore un chevalier à combattre. Deux chevaliers maintenant. Revelio, je vais devoir me débrouiller cette fois. Oh non, mais dis pas que je vais avoir trois fois plus d'ennemis. Je vais devoir me battre pour sortir de. Oh non, mais merde. Oh là. Quoi? Attendez, mais... Ok, Protego. Maintenez triangle lors de Protego pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec Stupéfix. Oh. Stupéfix. Ok, là c'est pas mal ça. Je vais mourir là, on est d'accord. C'est compliqué. Lumos. Mais comment ça Lumos? Stupéfix. Oh mais c'est la merde. Oh là là, je m'en tire. Allez. Oh, vous voilà. Comment avez-vous ? Et surtout, où est-ce que vous vous étiez passé ? Où sommes-nous ? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin, c'est une pancine. C'est quoi ça? Pour voir les souvenirs. Oh! Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Ah mais du coup, moi je peux voir la Nous magie ancienne, du coup. À la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. C'est ça. Oui, monsieur. C'est fascinant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Quelqu'un qu'est-ce... approche. Oh, mais c'est le méchant Ranrok. J'avais raison. Ranrok. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Ouh ! Il va falloir un bon doliprane, hein ! Attends, mais c'est Thanos le mec ! Giga fort ! Oh. Quoi ? Attends, quoi? Ah, c'est un saut de protection magique.
Non, non, il va pas mourir comme ça. Je connais une issue. Attends. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Oh, la musique! Oh, le train! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, ça va être sympa. Alors on va commencer à vraiment rentrer dans l'école là. C'est le moment de terminer l'école. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Bah. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. On a failli se faire tuer, hein, pour info. Alors, comment ça se passe, là? Vous avez quelques années de plus que les autres, non? Ouais. Vous aviez certaines attentes en venant ici. Des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. Oui, je détecte quelque chose en vous. Qu'est-ce donc ? Ah, moi, quand j'entre dans une école, je suis ambitieux. J'ai envie de peser dans le game. Loyauté pour Poufsouffle. Oh putain. Ambitieux, c'est Serpentard. Ah, moi, en vrai de vrai, autant sur le quiz d'Harry Potter, il y avait écrit que j'étais Poufsouffle, autant moi, dans la vie de tous les jours, lorsque j'arrive dans une école, je suis ambitieux. Vous avez appris récemment que vous possédiez une capacité rare. Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir. Peut-être seriez-vous à l'aise à Serpentard. Ah! Oups! Sur le site, il y a écrit que je suis Poufsouffle. Dans le jeu, on dit que je suis Serpentard. Comment ça se passe? Poufsouffle, c'est ton destin. Après, au début du let's play, j'ai dit que j'allais jouer Poufsouffle. Ne reviens pas sur tes promesses. Mais ça se trouve, si jamais je reviens sur mes promesses, ça veut dire que je ne les tiens pas. Et ça se trouve, ça fait de moi un Serpentard. Allez, fuck Poufsouffle! Vous irez dans la maison, Serpentard! Regardez comme il est content d'être chez Poufsouffle. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Hey, mais attends, mais le dortoir des Poufsouffles est 100 fois meilleur que celui des Serpentards, frère. On est à côté du vin. Mais le dortoir est trop beau. Non, je suis très content d'être revenu chez Poufsouffle, les gars. Quête terminée, bienvenue à Poudlard. Allez, on va faire un cours de sorcilège. Il y a une place libre, si tu veux. Je rêve. T'es en train de me draguer? T'es une Gryffondor? Je m'appelle Nati. C'est donc toi, le nouvel élève? Bienvenue en cinquième année. Vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Moi, j'ai envie d'attirer Nati, moi. Voilà, donc Axio, c'est pour attirer les gens vers moi. Oh, c'est bien, vous apprenez vite. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Action. Superbe. Ne vous déconcentrez pas. Ah, faut rester appuyé. Qu'est-ce que je dois faire? Ah. Voilà. Putain, j'ai marqué 30 points. Très bien. Des points pour Poufsouffle. Oh merde! Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaille, voulez-vous bien défier votre camarade? Fais pas d'armes, tu nous représentes. Attends, allez, c'est parti, je vais essayer de marquer le maximum de points possible. Je vais te fumer, Natai. Allons voir. Mais attends, mais elle est trop forte! Attends, mais wesh! Yes! Tu te débrouilles très bien. Merde. Oh bah, égalité. Oh là là, mais c'est pas vrai! Oh la pression! Soit j'égalise, soit je perds! Oh, j'ai envie de crever! On va rendre les choses plus intéressantes. Donc là, par exemple, je peux sortir la boule de madame. Action! Ah ouais!
ouais, mais ça marche comme ça en fait. On peut se saboter, je savais pas. Ok, bah ça change tout. Ah, mon but, ça va être que de la saboter. Oh merde, le con. Soit je fais un truc de zinzin, soit je suis con. Action. Failli. Bravo à vous deux, bon travail. Au moins j'ai pas perdu. Action. Oui. Attends, le chat gris, attends. Non, je peux pas aller faire l'éviter plus que ça. Oula. Stupéfix. Quoi, c'est tout? Bombarde. Légion-saut. Professeur Ikat. Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Mais c'est quoi Levioso, du coup? Un sortilège de lévitation? Levioso. Un adversaire surpris est affaibli. Je vais pouvoir faire ça sur les chars. Travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Ok, Levioso. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Effectuer un lancer des bases en appuyant sur R2. Levioso. Bien. À présent, le lancer de base. Bravo. Oh, c'est sympa comme combo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Oh. Commençons avec vous deux. Dueliste à vos marques. Allez. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Oh, bien. Serpentard de merde. Loyalement, en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Oh, je vais le casser, frère. Je crois que ce soit ton premier duel. Les duels... Protego. Oh là 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 là, mais est-ce que je lui mets, frère? Regardez votre adversaire et savoir... Il est en ring. Pas mal pour quelqu'un qui débute. T'as juste la haine. Coup sur coup. Il a la haine. T'es nul. Pas mal. Cours de défense contre les forces du mal, quête terminée. Let's go de l'XP. Ça va, mon petit? Regarde ce que je viens d'apprendre. Les Levioso. C'est trop bien! Reviens là, toi, reviens! Eh, hey, petit! Merde, je l'ai perdu. Ah, je l'ai entendu, j'aurais pas dû miauler. Incroyable. Nique ta mère! Oh. Le professeur Weasley veut me voir dans sa classe qui se situe près du cours de métamorphose. Et pour la salle? Coco! On dirait Dobby? Ah! Vous voilà. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées. Et elle connaît bien la région. Monsieur Ronen. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre? Le sortilège de réparation Réparo. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Je trouve une page volante. Écoute, si je dois la trouver, autant utiliser... Bah, elle est là. Action. Et voilà. Ah, Fast Learner. Fast Learner. Fantastique. Monsieur. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Vas-y. Faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve. Du vandalisme à Poudlard, du coup. Réparons. C'est réussi. Ça marche à merveille. Oh. Vous pouvez pas? Tu me cherchais? C'est un date, madame. Ceci est un date. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. Donc ça, Préolab, c'est le village à côté de Poudlard. Difficile de savoir par où commencer. Les vieux sont. Va aux trois balais si on tu va commencer par ça déjà. Here we go again. Ollivander, boutique célèbre de baguettes magiques. Allez, on va tout de suite commencer par ça. J'arrive dans une... Oh, c'est vous... Un instant, je vous prie. Oh, putain, il a une super belle dégaine, j'adore. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Oh. Je suis ravi de vous rencontrer. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Ouais. Tenez, essayez donc celle-ci. Allons-y. C'est pas pour moi! Oui, oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci. On a été attaqué par un dragon l'autre fois. Peut-être que... Oh, 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 oh.
Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. Eh ben non. Oui, je crois que tu seras la bonne. C'est laquelle? Alors, j'ai plusieurs choix. Spirale brun cendré. Type de bois sorbier. Type de cœur. Plume de phénix. Flexibilité raide. Sorbier. Alors, je vais prendre du pain, du coup, vu que d'après le site, j'étais à baguette de pain. Oh. Attends, j'avais 12 feet et donc, du coup, j'avais 36 mois de taille de baguette. 36, hein. Intéressant. Flexibilité. Légèrement étrange. Flexible, je pas pense. Pas étrange. Non, enfin, phénix. Hein. Oh. Alors, fais voir. Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh. Oh là les problèmes. Oh. What the fuck. Bon bah faut stop, hein. Éloignez-le des bâtiments. Vous pouvez épargner le village. C'est quoi cette merde? C'est un troll? Ah. Oula, deuxième troll. Hop. Bon bah c'est l'heure d'attaquer, hein, c'est tout. Ouch. Ok, let's go. Attends, si je protégo, ça marche ou pas? Lumos. Arrête avec ton Lumos de merde. Lancer magie ancienne. Mais non, mais pourquoi il le balance? En fait, le shield il sert à rien contre lui. Allez, je bois un peu d'alcool. Ça va, mais... Stupéfix, let's go. Allez, tu vas mourir, bâtard! On l'a eu? On l'a eu! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? Mais attends, mais je l'ai fait imploser! Encore une fois, merci. C'est Nati qui a tout fait, mais rien du tout. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. S'il te plaît, de l'alcool, oui! Oh là là, qu'est-ce que c'est encore que cette... Oh! Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Encore lui. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Il va le tuer? Allons-y. Bon, qu'est-ce que je... Oh. Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue, c'est moi qui régale. Bien Robert. Des trolls après Ola, ça n'était jamais arrivé. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement. Quand on parle du loup. Ouais merde. Je viens simplement pour cette personne. Laisse-moi tranquille, je ne te connais. Laissez pas. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Oh. Je répète. Cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Oh, c'est badass, ça. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Ok. Bon, bah, intéressant. Écoutez, je vous propose de s'arrêter là. Franchement, je pense que ça fait une bonne fin, en plus de... On a à peu près tous les différents protagonistes et antagonistes qui sont apparus dans le scénario. Donc, moi, je vous propose d'arrêter là. Les frérots, je suis pas un énorme fan de la licence Harry Potter. Non pas que j'aime pas, c'est juste que je connais pas assez. Mais c'était quand même très agréable. J'imagine que si jamais vous êtes un fan d'Harry Potter, ce jeu, ça doit être un banger absolu. Mais en tout cas, j'ai plutôt apprécié. Un peu long quand même, les phases de dialogue. Il y a des trucs que j'aimerais bien sauter, mais en même temps, tu te dis, si tu sautes, bah tu comprends rien à l'histoire. Je ne sais trop quoi en penser. Mais sinon, bah écoutez, c'était très très sympa. Très content d'avoir sélectionné Pouf Souffle finalement, parce que les gens sont très sympas à l'intérieur et très contents de ne pas avoir été Serpentard. J'espère que ce stream vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à venir me suivre sur les différents réseaux. Je vous laisse sur ça. Passez une très très bonne soirée et à très vite.